Il était porteur, au moment de son interpellation, d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. Par ailleurs, l'intéressé est inconnu au fichier national des empreintes digitales. Il est également inconnu des services de renseignement.